lorsque vous débattez avec un musulman, vous devez connaître comment le faire. Hello? Hello? How are you, my friend? You are a Muslim? Bonjour, mon ami. Est-ce que tu es musulman? Yes, yes, I am. Oui, je suis musulman. Okay, so what do you want to say to us? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Why are you lying about the Holy Prophet? Why? Like what? Pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi tu te racontes des mensonges sur le Saint Prophète? What I said. Quel mensonge? You said he rape women, he does this, he does that. Tu as dit que il violait les femmes, il a fait ceci et cela. Do you know you can be thrown in fire? Est-ce que tu sais que tu peux être jeté dans le feu de l'enfer? You do what? You do what? You know you. Yeah, qu'est-ce que tu dis? You know you said he raped a lot of women, he did this, he did that, you are. Tu as dit que il a violé beaucoup de femmes, il a fait ceci et cela, et tu es menteur. Lying about him. Okay. Et tu mens à propos de lui. How you know I'm lying? Comment est-ce que tu sais que je suis en train de mentir? I believe you're lying. Okay. Je sais que je crois que tu es en train de mentir. Okay, what if I show reference? Maintenant, et si je te montrais ça? He is the best of mankind. No. Il est la meilleure des créatures. No problem. What if I show proof from your books? Pas de problème. Et maintenant, si je te montrais les preuves de vos livres. No, all this you are. Hold on. What if I show my friend? In Nigeria, if you do this, you're gonna be in big trouble. Est-ce que Christian Prince, tu sais que ce que tu es en train de faire, si tu étais au Nigeria, tu seras dans des grands troubles. My friend, if I go to Nigeria, Nigeria will be in big trouble, not me. I'm asking you. Mon ami, si moi je viens au Nigeria, c'est le Nigeria qui sera dans les troubles. Ce n'est pas moi. La question que je te pose. What if I show you a reference from your books that Muhammad he did rape women? Et si je te montrais les références de vos livres que Muhammad a violé des femmes? What book in the Quran or where? Quel livre, le Coran ou quoi? The Hadith. Les Hadiths. Let me see. Okay, but if I OK, tu peux me montrer ça. Show you what you will do. Si je te montre ça, qu'est-ce que tu vas faire? Before I show you. Avant que je te montre ça. If you show me, then I'm going to respect you. Ah, si tu me montres ça, alors je vais te respecter. And that's it? C'est tout? I'm going to respect that at least you said the truth, right? But you don't just. Je vais respecter le hadith, là. Je saurais que tu as dit la vérité. Just stay on the TV and start insulting, calling him names. No. Tu ne peux pas juste rester à la télévision et commencer à insulter tout ça sans preuve. I don't want. You are saying to me, I'm going to respect you. Tu dis que tu vas me respecter. Do you think I'm here coming for? No, I'm going to respect you for being honest. Est-ce que tu crois que moi je suis là pour rester ici pour le respect? So listen. Non, je vais respecter puis te respecter puisque quand même tu serais honnête. You are calling me and saying to me the prophet did not rape. Donc toi tu m'appelles pour me dire que votre prophète n'avait pas violé. So what if the prophet he raped? What you will do? Et maintenant si votre prophète avait violé, que ferais-tu? You just show me. Show me, let me see. No, I will show you. Montre-moi tout simplement. I promise you. What you will do if I show you? Je te promets que je vais te montrer ça, mais que ferais-tu si je te montre ça, je te le prouve? C'est la question. Are you just saying show me and then I respect you? No, what I get no, from that? Not... Tu dis tout simplement que je te montre ça et puis tu vas me respecter. Et qu'est-ce que j'aurai à partir de ton respect? Matter of being like. You need evidence, right? You need evidence for no something. Problem, my friend. I know. On a besoin des évidences. Tu dois nous montrer avec les évidences. Oh, okay, so now I will put the evidence. Pas de problème. Je vais mettre les évidences, mon ami. Islamic books. There is no way you're gonna say the only problem. No problem. But if there. On a des livres islamiques. Alors tu ne peux pas juste lever, te dire que le prophète avait violé des femmes. Yes, what you would do? Si je te montre ça, que feras-tu? So what do you want me to say?
Qu'est-ce que tu veux que je puisse dire? I don't know. Are you going to stay? Are you going to stay as a Muslim if Muhammad he did that? Est-ce que tu vas demeurer comme un musulman si Muhammad avait fait ça? And then I'll start questioning. I'll start questioning. Ah, ok. Non, je vais commencer à questionner ça. It's not. Oh, you will start questioning. Yeah, I'll start. Donc tu dis que tu vas commencer à questionner ça? Questioning. So okay. I want to see that the Islamic book say this is not matter of maybe you're talking about another book invented by the Christians, you know. Oui, je veux que tu puisses me prouver à partir des livres islamiques. Il ne faut pas que tu puisses commencer à dire des choses. Peut-être que ce sont des livres qui sont inventés par les chrétiens. You people are just something different, I don't know. Puisque vous, les chrétiens, vous êtes juste quelque chose de différent, je ne sais pas. All right. But your question will lead you into what? You think you will leave Islam if I wait for you? Maintenant, tes questions là vont te conduire à quoi? Tu penses que tu vas quitter l'islam si je te montrais ça? Please, you show me. Let me see something first. S'il vous plaît, montre-moi ça. Je vais voir. Let's see. On va voir. Do you know Arabic? Est-ce que tu connais la langue arabe? Hello? Do you know Arabic or I have to find it for you in English? Tu veux que je te montre ça en arabe? Tu connais l'arabe ou je montre ça en anglais? Hello? Oui? Do you know Arabic or I have to find it to you in English? Je vais te montrer ça en anglais ou bien tu connais l'arabe? You have to find it to me in English. Ah, montre-moi, tu dois me montrer ça en anglais. All right. Most Nigerians don't speak Arabic. La plupart des Nigériens ne parlent pas l'arabe. Let us see first. On va voir. We'll try to find it first in English and then. On essaie de trouver ça en anglais. If not, we will. Sinon, on va te montrer ça en arabe. Find it for you. On va chercher ça. Yeah, you know, and people will be witness because if I could not find the reference, you have the right to laugh at me, correct? Les gens seront témoins. Donc, si je ne te montre pas les références, alors tu auras le droit de te moquer de moi, n'est-ce pas? You have to. No, it matters. No, no. Non, on va pas le faire. Ça peu importe. Non, ça vaut la peine de te moquer de moi si je ne te montre pas ça. No, my friend, it matters. I want you to laugh at me. If I could not find the reference, cela importe beaucoup. Je veux que tu puisses te moquer de moi si je ne te montre pas la référence. Cela voudrait dire que je suis en train de te mentir. Oui, Christian, je vais voir. Okay. I need to see. Oui, je vais voir ça. Let us see. On va voir. Voyons. I have the reference actually already in front of me, but in Arabic. J'ai mes références, mais c'est en arabe. But let me start first with the Arabic, and then we will go to the English. Try to. Donc je vais te montrer d'abord ça en arabe, et puis nous allons naviguer vers l'anglais. Find in English. I will use Google Translation. Je vais faire la translation par Google. In front of your eyes. Devant tes yeux. This is the book of Sirah Nabawiyyah. Ça, c'est le livre appelé Al-Sira al-Nabawiyya. Volume number 2. Volume numéro 2. Do you see my screen? Est-ce que tu vois mon écran? Yeah, I can see, but it's too large on my screen. Oui. Look, okay. Is there any way you can send it to me too? I will send it to you. No problem. Est-ce que tu peux m'envoyer un lien? Let me send you a link. Give me a second. Oui, je vais t'envoyer un lien dans quelques secondes. Open it in your side and you can use Google Translation. Oui, je t'ai envoyé le lien. Tu peux ouvrir côté, tu peux ouvrir la translation par Google. You don't mind. Si tu veux. Yeah, 340. OK, I gave you the link. Use Google Translation. And now I'm going to use Google Translation. Oui, je t'ai envoyé le lien. Tu peux utiliser Google Translation.
Moi aussi, je vais ouvrir ça par Google Translation. Translate to Google. On va traduire. You can translate it from your place. Yeah, tu peux traduire ça de ton côté. C'est le livre de Al-Sira al-Nabawiya ibn Hisham Abdul Malik ibn Hisham. You can translate it from your place. Let me see. Yeah, you can use Google Translate in your site. Just you open it in Google browser. Tu peux ouvrir ça dans les navigateurs de Google si tu veux. This one is for later. So, Christian Prince, je vais le faire plus tard. Toi, tu peux juste me montrer ça. Muhammad, he just killed the Jews. Muhammad venait à peine de tuer les Juifs. You know? Oui. What? Which Jews were that? Was it the Banu Quraiza? Yeah. C'était quel Juif? Les Banu Quraiza? And now he took. Oui. Sophia, and the Muslim they claim that now she is his wife. And now he took Sophia, and the Muslim they claim that now she is his wife. Et maintenant, il a pris Sophia, et les musulmans disent que c'est sa femme. But how is she his wife? Listen carefully. Maintenant, on va voir comment ça. He just took her from her husband. Muhammad vient de prendre Sophia juste, vient de la prendre de son mari. He just took her from her husband. He killed her husband. Read carefully. Il a pris de son mari. Il vient de tuer de son mari maintenant. Tu peux lire? Read with me. Abu Ayyub was in the front of the tent. Muhammad, he just killed her family. Abu Ayyub était devant, dans la tente de Muhammad. Muhammad vient de tuer sa famille, la famille de Safia. Half hour ago. Il vient de tuer, donc il y a quelques 30 minutes. In the front of the tent. Muhammad, he just killed her family half hour ago. Il y a une demi-heure qui vient de tuer sa famille. So, when Muhammad, he went out in the morning from his tent. Quand Muhammad s'est réveillé le matin, il sort de sa tente. He said to him, what's wrong with you, Abu Ayyub? Et il trouve maintenant son serviteur, le sahaba, qu'on appelait Abu Ayyub. Il lui demande, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Abu Ayyub? He said, oh, messenger of Allah, I feared for you from this woman. Abu Ayyub dit, oh, messager d'Allah, je craignais sur ta vie à propos de cette femme ici. And she was a woman who you killed her father. Puisque c'est une femme dont toi tu as tué son père. And her husband. Et tu as tué son mari. And her people. Et tu as tué son peuple. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? Did he marry her? Est-ce que c'était or he just took her from her husband. Ou bien il avait récupéré juste de son mari. He just killed her husband. Tu viens peine de tuer son mari. I know, but according to our sheikhs, what they told us about this situation was... Ce que nos sheikhs nous disent, Christian Prince, à propos de cette situation de la femme, ils nous disent... Was that that he married out of pity. Ils nous disent que le prophète s'était marié puisqu'il avait pitié de cette femme. After what? Out of pity. Puisqu'il avait pitié de cette femme qui s'était mariée à elle. The parents, they gang up against the prophet. What parents? He just. Ils disent que les parents de cette femme s'étaient ils s'étaient regroupés pour attaquer le prophète. Killed her husband. She is not a kid. Mais quelle pitié! Cette fille-là n'était pas une petite fille. Cette femme-là, c'était pas. Il vient de tuer son mari. It says in the front of you, you killed her father. C'est écrit là que tu as tué son père. He killed her brothers. Il a tué même ses frères. He killed her people. Il a tué son peuple. You killed her husband. Et tu as tué son mari. And not only that, she is a bride. Non seulement ça, elle venait à peine d'être mariée. She is a bride. She just got married. Elle est encore là. Elle venait à peine de célébrer son mariage. He killed her. He killed her family. Il a tué donc sa famille. He raped her. Il a violé la femme. And in the same night, he just took her. And you know, according to Islam, you have to wait. Et la même nuit, il a pris cette femme. Et d'ailleurs, donc d'après l'islam, il devrait attendre. 3 months. Il devrait attendre 3 mois. To be sure that the woman she is not carrying a child from the previous man, correct? D'être sûr que la femme là ne porte pas là, donc un enfant n'est pas enceinte du
à partir de son mari là qui est passé d'après l'islam. So not only he raped her. Et non seulement il a violé la femme. But please, I'm trying to understand something. Like, is there anywhere they said he had sex with the with her? Christian Prince, s'il vous plaît, je veux juste comprendre. Est-ce qu'il y a témoin qu'on puisse dire qu'il a eu des rapports sexuels avec cette femme ici? With her immediately. This is the... Donc, je veux dire qu'il a eu des relations sexuelles avec cette femme immédiatement. He did not go home yet. He attacked her town. He took her. Oui, mais il est là. C'est écrit. Il n'est pas retourné à la maison. Muhammad, il est encore à la bataille là. Il venait à peine de faire une attaque. He is in the tent. Il est dans une tente. Don't you see? It's a tent. Muhammad, don't live in a tent. Vois-tu pas que c'est une tente? Et Muhammad ne vit pas dans une tente. Yeah. Okay. He stayed there with her. Huh? Donc il est resté là avec cette femme là. He stayed there because there's this hadith that I read one time. I don't know if it is Sahih Muslim or Sahih Bukhari. They said. Puisqu'il y a un indice que j'avais lu, je ne sais pas si c'est Sahih Bukhari ou bien Sahih Muslim, là on dit. The prophet stayed with her for 3 days. It's not like stayed with her for 3 days. On dit que moi, le prophète était resté avec cette femme-là pendant 3 jours. On va montrer cet indice. D'abord, c'est que Christian Prince est en train de parler. Pour l'audience francophone, nous avons ça, cette page-là en français. Nous allons montrer ça pour l'audience francophone. L'audience francophone, nous allons montrer ça. Al-Sira Nabawiya, le livre là, donc Christian Prince est en train de parler, est là. Nous avons ça en français. On va lire pour l'audience francophone. Il dit Ibn Omar, alors qui dit Katir Ibn Zaïd Al-Walib, ils ont écrit, on va agrandir un tout petit peu pour qu'on puisse bien voir. Rabba Abu Huraira, pendant que le prophète était couché avec sa fille, Abu Ayoub avait passé sa porte. Quand il a vu le prophète le matin, il a dit, Dieu est le plus grand. Il avait une épée avec lui. Il dit au prophète, ô messager de Dieu, cette jeune femme venait de se marier et tu as tué son père, son frère et son mari. Alors je ne lui ai pas fait confiance pour ne pas te faire du mal. Le prophète Ari, il a dit bien. C'est l'histoire de Al-Tabari, volume 39, page 185. La même histoire là est écrite ici. Nous allons voir. Bon, c'est écrit aussi là. Abu Ayoub, puisqu'on doit montrer les. Abu Ayoub, un Al-Ansari, a tenu son épée et a marché autour de la tente du prophète toute la nuit. Quand le messager de Dieu est sorti de la tente tôt le matin, Abu Ayoub a dit Allahu Akbar. Quand le prophète le vit tenir son épée, il demanda ô Abu Ayoub, quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Les compagnons qui s'est sacrifié et qui n'a pas dormi d'un clin d'œil, cette nuit-là a dit, ô messager de Dieu, j'ai craigné que cette femme qui a perdu son père, son frère, son mari, son oncle et ses proches, et qui venait de devenir musulmane, ne vous fasse du mal. C'est pourquoi j'ai attendu autour de la tente. Le messager de Dieu sourit et dit, que Dieu vous conduise à de bonnes choses. Ensuite, il a prié pour Abu Ayoub comme suit. « Oh Dieu, protège Abu Ayoub comme il m'a protégé toute la nuit sans dormir. » Et on va voir comment est-ce que qui avait amené cette femme-là. C'était Bilal qui avait apporté sa fille.
Muhammad. Vous voyez comment est-ce qu'on a maltraité, on a utilisé notre frère pour apporter des femmes à Muhammad. Alors que Bilal amenait sa fille et sa cousine, qui étaient également captives, ils passèrent près des cadavres des Juifs. Quand la cousine de sa fille a vu les cadavres, elle s'est mise à pleurer et à déchirer ses vêtements. Elle a également jeté de la terre à sa propre tête. Puisqu'elle était dans la douleur, elle priait bon, et elle a commencé à pleurer. Quand le messager de Dieu, situation, puisque Christian Prince va parler de ça, que cette femme, elle pleurait, elle jetait de la terre dans ses cheveux, puisqu'elle était, elle pleurait comme elle a vu le cadavre des Juifs. Quand le messager de Dieu vit la situation de loin, il dit à Bilal quand il arriva, « Oh Bilal, avez-vous été privé de vos sentiments de compassion et de miséricorde? Pourquoi avez-vous fait passer les femmes près des cadavres ?» Bilal a eu honte et il s'est excusé en disant, « Oh messager de Dieu, je ne pensais pas que cela vous dérangerait. » Et c'est dit, on va vous donner les références, toutes les références sont là. Il y a beaucoup de références, les maisons ont beaucoup écrit sur ça. C'est le livre de Ibn Hisham, Al-Sira, Sira Naba, volume 3, page 350. Ibn Sa'd, Tabaqat al-Kubra, volume 28, page 120. Abu Daoud, Sunan Abu Daoud, volume 3, 155. Hamad ibn Ambal, Musnad ibn Ambal, volume 302. Ibn Hisham, volume 351. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de références. Beaucoup de références. Ok. On continue avec Christian Prince. Rapidement. Ça, c'était pour l'audience francophone. It doesn't make a difference if it's 3 days or 3 hours. Donc, tu veux dire que ça ne fait pas de différence si c'est 3 heures ou bien si c'est 3 jours? It said stayed. Stayed is different from sleeping with somebody. It says stayed with her for 3 days. Dans le hadith, Christian Prince, il a dit qu'il était resté avec cette femme. Rester avec la femme, c'est différent de coucher avec la femme. Why he is staying with her? You know, are you allowed in Islam to have a woman in your bed? Et bon, pourquoi s'il était resté avec cette femme-là? Est-ce que est-il permis d'avoir une femme, de rester avec une femme dans ton lit? And she is not your wife. Et pendant qu'elle n'est pas ta femme? No. And where it says he stayed with her? Can you show me? Et où est-ce qu'on a écrit qu'il était resté avec cette femme? Là, est-ce que tu peux me montrer ça? What stayed with her? What do you mean stayed with her? Qu'est-ce que tu veux dire rester avec cette femme là? Just hold on, please. Attends, je vais te montrer ça. He took women against their will. Dans votre prophète prenait des femmes contre leur gré. You said to me, show the prophet here, right? Do you think if a man killed you? Et maintenant, tu me demandes de montrer là où votre prophète a violé. Est-ce que si un homme, God forbid, à Dieu ne plaise, and he took your wife. Your wife, she will like to be his wife or to sleep with him. Do you think if a man killed you? Est-ce que tu penses si un homme t'a tué? God forbid, and he took your wife. Your wife, she will like to be his wife or to sleep with him. À Dieu ne plaise, et que cette femme-là qui t'a tué, il prend ta femme. Tu penses que ta femme voudra prendre cet homme-là, coucher avec lui, ou bien se marier à cet homme-là? I'm asking you now. Attends, Christian, je cherche les hadiths là. You can look in your way. Non, je te pose la question. Tu peux chercher comme tu veux, mais la question que je te pose. Yeah. Do you think a woman, you just killed her father, her parents? Penses-tu qu'une femme, après que tu as tué son mari, son père, her family, sa famille, her tribe, all of them, sa tribu et tout. Do you think a woman, she will be happy to sleep with the man? Est-ce que tu penses que cette femme là, une femme là peut accepter que tu puisses coucher avec elle, bien te prendre comme mari? That they gang up against the Holy Prophet.
but they gang up against him. That was what happened. Non, Christian Prince, l'histoire était que cette tribu-là, il s'était rangé en bataille contre le prophète. Il s'est rangé pour attaquer le prophète. He can what? Because I know the, il faisait quoi? The husband of Safiya was Kinana. Ah, puisque je sais que le mari de Safiya, son nom était Kinana. Uh-huh. Kinana. Exactly. The guy, they gang up against the holy prophet. His what? Il s'est donc rangé contre le prophète. His what? Ils avaient fait quoi? I said they ganged up against the holy prophet. So what is against? Il s'était rangé contre le saint prophète. Yep. We are talking. You see, you're asking me. All of them, they are against him. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout le monde là, tout le monde était contre le prophète Muhammad. I am against him. Moi, Christian Prince, je suis contre Muhammad. Does that give a reason to rape my wife if I have a wife? Ah, est-ce que ça lui donne le droit de venir violer ma femme? Me, all of them are against him. I am against him. Is that giving you a reason to rape my wife if I have a wife? Est-ce que ça lui donne le droit de venir violer ma femme si j'ai une femme? All right, please. Let me just try to check this thing because I saw this. Christian Prince, laisse-moi d'abord chercher cet indice ici puisque j'avais vu ça ici. Was Safiya, this woman, was she happy? Est-ce que cette femme ici, Safiya, était-elle contente? What Muhammad did? Est-ce qu'elle était contente de ce que Muhammad avait fait? Are you saying the Holy Prophet is a bad person or because I don't understand? No, I'm because... not saying. Est-ce que tu dis que le saint prophète était un homme méchant, c'était un homme mauvais? C'est ce que tu veux dire, Christian Prince? Is a bad person or because I don't understand? No, I'm not saying he's a bad person. I'm saying he is the. I'm not saying he is a bad person. Non, Christian Prince, ce n'est pas vraiment vrai ce que tu es en train de dire. Really, this is not. I'm really not saying he is clear. A bad person. I'm saying he is a very extremely satanic man. Je ne dis pas que c'est un homme mauvais. Je dis que c'était un homme très mauvais, extrêmement satanique, très satanique. Muhammad était très satanique. The woman, he just took her. The woman. Person. I'm saying he is. I'm really not saying he clear. Is a bad person. I'm saying he is a very extremely satanic man. Extrêmement satanique. The woman, he just took her. The woman, she was putting dust and dirt in her head. Muhammad venait à peine de prendre cette femme. Cette femme pleurait. Elle jetait même de la poussière, de la terre dans sa tête. Do you know how much sad she is? Est-ce que tu peux mesurer combien est-ce qu'elle était triste? Okay, please, can you check Sahih al-Bukhari 42:12? Tiens, Prince, est-ce que tu peux vérifier le hadith 42:12? Sahih Bukhari numéro 4212. Okay, Bukhari. Sahih al-Bukhari 42:12. Sahih Bukhari 4212. 42:12. All right. This is the book of Al-Maghazi. Okay, what about it? Ah, ça c'est le livre de Al-Maghazi. Qu'est-ce que je veux dire? He said the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It says he slept with her. Il est écrit le saint prophète était resté avec cette femme là. Stayed with. No. Sophia. Et on a écrit que il était resté avec cette femme là. It says he slept with her. Non, il est écrit que il a couché avec cette femme là. No, it says stayed. My friend, no, it says. Non, on a écrit il est resté avec elle, Christian Prince. Is wa hatta arasa biha. In arasa biha. In Arabic? En arabe? Uh-huh. Ah. Here we go. So, are you telling me that this translation is wrong? Christian Prince, tu veux dire qu'on a mal traduit ça? What the translation saying? Que dit la translation? No, it said the Holy Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. It says, hold, read with me. This is your translation. Tu peux lire avec moi, ça c'est ta translation. Read your translation.
Tu peux lire. The prophet stayed with Safiya, bint Huyay. Le prophète était resté avec Safiya bint Huyay. For 3 days in the way to Khaybar, where he consummated his marriage with her. Pendant 3 jours sur son chemin de Khaybar, là où il avait consumé son mariage avec elle. There's no marriage, he effed her. Et il n'y a même pas de mariage ici. Il a juste couché avec cette femme-là. Where he did it? In the way. Où est-ce qu'il a fait ça? Sur son chemin de Khaybar. This is the hadith you gave me. Ça, c'est la hadith que tu m'as donné. This is your choice. Et ça, c'est ton choix. Correct? Correct. So, where he stepped with her? In the way. Où est-ce qu'il a couché avec cette femme-là? Dans son chemin, sur son chemin de Khaybar. But this sound like the marriage is on already. He said where he consummated his marriage. My friend, what marriage? Il semble comme si c'est le mariage, puisqu'on a écrit que là où il avait consommé son mariage avec elle, en français, le dit, c'est là. Raconté par Anas ibn Malik, le prophète restait avec sa fille habituée pendant 3 jours sur le chemin de Khaybar, où il a consommé son mariage avec elle. Sa fille faisait partie de ceux qui ont reçu l'ordre d'utiliser un voile. Just took her against her will. You killed her husband. But this sound like the marriage is on already. He said where he consummated his marriage. My friend, what marriage? You just là, ça montre qu'il était marié. Donc, il s'était marié. Il a consumé. Bon, mon frère. Consummated his marriage. My friend, what marriage? You just took her against her will. You killed her husband. Mais quel mariage ça? Il a pris cette femme-là contre son gré. Et puis, il venait à peine de tuer son mari. You killed her family. I know you call it marriage. Il a tué sa famille. Et tu appelles ça mariage? And not only that, the woman she was, like when this happened, the woman... Et non seulement ça, lorsque cette histoire s'est passée, la femme-là était... The woman she was putting dirt and shit in her head. She was screaming. And even Muhammad, he called him shaitan. Et non seulement ça, lorsque ça s'est passé, la femme la pleurait, elle mettait de la poussière, de la saleté dans ses cheveux, elle était en train de pleurer. Et Muhammad l'a appelé qu'elle était Satan. He said, keep the shaitan away from me. Il a dit, garde ce Satan loin de moi. Don't you know? Est-ce que tu ne sais pas ça? Have you ever heard of a book? It's called Ibn Kathir. As-tu déjà entendu parler? Yeah, I know Ibn Kathir. As-tu déjà entendu parler du livre de Ibn Kathir? Yeah, I know Ibn Kathir. I know Ibn Kathir. Okay. Oui, je connais Ibn Kathir. What Ibn Kathir he say about the story? Do you know? Qu'est-ce qu'Ibn Kathir a parlé à propos de cette histoire ici? No, I never checked about it because this is not. It's only this. Je n'ai jamais vérifié ce qu'Ibn Kathir dit. Hein? Even when the situation between him and Zayd happened. Ah, c'est seulement quand cette histoire-là s'était passée entre lui et Zayd que j'avais lu. This is different from Zayd. And what about Zayd? Et d'ailleurs, ça c'est différent de Zayd. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zayd? Zayd is the same, but the difference is Zayd is a man. He have no choice. C'était presque la même chose. La différence était que Zayd, lui, c'était un homme et il n'avait pas de choix. Muhammad, because he cannot have kids. Comme Muhammad ne pouvait pas avoir des enfants. His wife, she forced him to adopt a son. Sa femme, Khadija, avait forcé Muhammad à adopter un enfant. And why he? And then he married her. Il a adopté donc un enfant quand il s'est marié. To a woman he liked, so he can have. To a woman he liked. Muhammad a marié Zayd maintenant à une femme que Muhammad lui aimait. Muhammad aimait cette femme là. So he can have access to the house. Il a fait ça pour qu'il puisse avoir accès à cette maison là. What do you think if I go to visit my son? How can you say the uncle? You said the prophet cannot have kids. Why do you hold say on. That? He can. Christian Press, comment est-ce que tu veux dire que le prophète ne pouvait pas avoir des enfants? What about
Fatima? What about the Ibrahim? We never have kids. Christian Prince, qu'en est-il donc de Fatima et de Ibrahim? Tout ça? You never have kids. Okay, hold on. Ibrahim, if Fatima. Non, il n'avait pas de, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. If Fatima is the daughter of Muhammad, hold on, he can't have kids. What about Fatima? What about the Ibrahim? They never have kids. They never have kids. Okay, hold on. If Fatima, un Christian prince, Muhammad avait son fils là qu'on appelait Ibrahim. If Fatima is the daughter of Muhammad, are you going to go and wash naked in the front of your daughter? Je te donnais. Donc, et si Fatima était la fille de Muhammad, est-ce que tu peux aller te laver nu devant ta fille? Where did that happen? Hein? Quand est-ce que ça s'est passé? What if I show you? When she was. Si je te montre ça. When she was young, maybe like a baby. Or... Avec, peut-être quand elle était encore trop jeune, Fatima, peut-être elle était encore bébé. What baby? She was holding the curtain for him. Bébé, quel bébé? Fatima couvrait, elle tenait le rideau pour Muhammad. Baby. You want to duct tape what happened to Muhammad baby now? Tu veux couvrir, donc, essayer d'arranger ce que Muhammad avait fait? No, I said it might be when a little child, right? Maybe at 3 years old or something. Any parent can see this. Okay, so... Ah, Christian, parce que bon, peut-être ça s'est passé lorsque Fatima était encore un bébé. Ça peut se faire donc devant un bébé, peut-être un bébé de 3 ans. You are now saying to me, the prophet, he was taking a shower, naked, and his daughter, which is 3 years old, she was holding a curtain around him. Donc tu veux me dire que Muhammad était en train de se laver nu devant sa fille, et sa fille qui avait 3 ans tenait le rideau. Pour Muhammad. So how old was she? Maintenant, quel âge avait-elle? How old was she? Quel âge avait-elle? I don't know. You tell me. Because you know why? Je ne sais pas. Dis-moi ça. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did in his time. Everything was like he didn't do anything from his own. Ah oui, bon, tu vois, tout ce que le prophète faisait, tout ce qu'il faisait à son époque-là, il ne faisait pas tout selon lui, d'après lui-même. Will, he did it by the will of Allah. Il ne le faisait pas par sa volonté, il le faisait tout par la volonté de Allah. What will of Allah? What, you see, you are trying now to duct tape again. Here we go. Quelle volonté d'Allah, mon ami? Tu veux encore justifier ce monsieur-là? This is your prophet. Let me find the hadith in English. If this is his daughter, there's... Attends, je vais chercher la liste en anglais. Mais si ça, c'est sa fille. No way a man, he will expose his Gentile in front of his daughter. Il n'y a donc un homme ne peut jamais exposer ses parties, ses organes sexuels, ses organes génitaux devant sa fille. Obviously, your prophet was having sex with Fatima too. Ça, c'est évident que votre prophète, il avait même le sexe. Il faisait le rapport sexuel avec Fatima, oui. The daughter of Khadija. La fille de Khadija. And this is the hadith in front of you. Et ça, c'est le hadith devant toi. You said to me, maybe she was 3 years old. What 3 years old? A 3 years old can hold a curtain to cover the man who is showering? Tu m'as dit qu'elle avait peut-être 3 ans. Est-ce qu'une fille de 3 ans peut tenir un rideau pour couvrir un homme là qui se lave? Do you see the hadith? Est-ce que tu vois les hadiths? I went to the Messenger of Allah during the year of conquest. Je suis parti au messager d'Allah dans l'année de la conquête. And I found him performing ghusl. Et je l'ai trouvé, il était en train de faire le ghusl. He's taking a shower. Il est en train de se laver. While Fatima was screening him with a garment. Pendant que Fatima était en train de le couvrir avec donc un rideau. Un habit. Please, what hadith is this one? What hadith is this one? Because I know there are. C'est quel hadith ça? A lot of false hadiths. This is sahih. Puisque je sais qu'il y a beaucoup de faux hadiths. Sahih. This is sahih. Ça c'est un hadith authentique, sahih. Okay, let me see it. Let me see it. It's in front of you. Montre-moi ça. C'est devant toi.
Okay, because okay, can you send me the reference, please? Est-ce que tu peux m'envoyer le lien? No problem. I will send you the. Tu peux m'envoyer la référence? The link have all the reference for it, not only one hadith. Yeah. Je vais t'envoyer un lien qui a toutes ces références, non seulement un hadith, beaucoup de hadiths. I just searched for the hadith in the website and it gave me all the links. J'ai juste cherché l'hadith dans le site internet et on m'a donné beaucoup de références. There we go. All of them those are sahih. This is sahih Muslim. Tous ces hadiths sont sahih. Ça c'est sahih Muslim. At-Tirmidhi. Jami' At-Tirmidhi. No, this is sahih Muslim too. If you find, scroll down, you will find sahih Muslim. Sahih Muslim. Scroll down, you will see Al-Bukhari. Tu descends, tu vas voir sahih Bukhari. Al-Bukhari. Et pour l'audience francophone, nous allons montrer ça. On a ces hadiths là. C'est pour nos frères de francophones. Le hadith est là. Jami At-Tirmidhi 2734. Raconté par Hani, je suis allé voir le prophète d'Allah pendant la conquête l'année de la conquête. Je l'ai trouvé en train de pratiquer, d'exécuter les ghusl, de se laver, tandis que Fatima le filtrait avec un vêtement. Il a dit, j'ai donné salam, et il a salué Muhammad. Il a dit, qui est-ce? J'ai dit, je suis Hani. Il a dit, bienvenue. Muhammad était en train de se laver pendant que Fatima le couvrait d'un vêtement pendant qu'il s'est lavé. Un autre hadith, ça c'est Sahih Bukhari 280. Sahih Bukhari 280 rapporté par Hani Abi Talib. Je suis allé voir le messager d'Allah l'année de la conquête de la Mecque et je l'ai trouvé en train de prendre un bain pendant que Fatima le dépistait, donc le couvrait. Le prophète demanda qui est-ce? J'ai répondu je suis Hani. Et en train de faire les ghusl, et Fatima le couvre, il couvrait. Il couvrait Muhammad pendant qu'il se lavait. Un autre hadith. Ça, c'est Sahih Muslim 336A. Hani Abu Talib a dit, si vous allez voir le messager d'Allah pendant la conquête de la Mecque, je l'ai trouvé en train de prendre un bain, sa fille Fatima tenait un rideau autour de lui. Retournons vite chez Christian Prince. Là, c'était pour l'audience francophone. Do you take bath with your daughter naked? Est-ce que tu peux te laver nu devant ta femme, devant ta fille? Tu peux te laver nu devant ta fille? Do you take bath with your daughter naked? Est-ce que tu te laves nu devant ta fille? What I'm saying is that you see, if you have a 2-year-old or a 3-year-old, there's nothing bad in taking. Christian Prince, je veux dire, si tu as une petite fille, peut-être de 2 ans ou 3 ans, il n'y a pas de mal si tu te laves nu devant ces enfants-là. He's screening him. Non, il est écrit que cette fille-là, elle couvrait le prophète pendant qu'il se lavait. Screen him. Elle le couvrait. 2 years old, she can't cover even your knee. Une fille là de 2 ans, pardon. Une fille de 2 ans ne peut même pas couvrir le genou. How she is screening him and she is 2 years old. Maintenant, comment est-ce qu'elle couvrait le prophète et elle a 2 ans? And Fatima, she was 2 years old in the time of the quest when he occupied Mecca. Et tu veux me dire que Fatima avait 2 ans pendant que Muhammad lui était parti en conquête pour attaquer la Mecque? His wife, she is dead long time ago. Sa femme Khadija, elle était morte il y a beaucoup d'années déjà. Isn't she the daughter of Khadija?
N'est-ce pas que Fatima était la fille de Khadija? You want to duct tape? So Muhammad, he don't, you know, this you guy. Donc tu veux couvrir donc des papiers collants, tu veux justifier Muhammad, tu veux duct tape Muhammad? This guy, he have his guy, my friend. Listen. If you want to take a shower, if you want to take a shower, you are prophet of Allah. Mon ami, écoute. Si tu veux te laver et tu es un prophète de Allah. I'm asking you, do you ask your daughter to be with you in the when you are taking shower naked? Est-ce que tu demandes à ta fille d'être avec toi là pendant que tu te laves et tu es nu? It depends on the age. Okay, let me tell you one thing. You see, à Christian Prince, ça dépend de l'âge. Attends, je vais te donner un exemple. If my mom is taking a bath, right? If what? When she's à Christian Prince, si ma mère est en train de se laver. I'm talking about we Muslims, we don't see this as a problem, right? Je te dis, nous, en tant que musulmans, nous ne voyons pas ça comme un grand problème. She's taking a bath, because her hand cannot reach her back. Si ma mère est en train de se laver et que sa main ne peut pas toucher bien le dos, si elle veut, elle peut pas bien se laver dans son dos. Back in the days, right? She's gonna say, oh, can you help me use this sponge to reach my back? No. Bon, là, c'est dans les anciens temps. Donc, ma mère, elle peut me dire, est-ce que tu ne peux pas prendre cette éponge ici pour que tu puisses me laver dans le dos? Donc, je peux aider ma mère à se gratter dans le dos pendant qu'elle se lave. What my back? And same time, hold on, you are a naked man. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, laver le dos. Je te parle, tu es un homme nu? Are you saying to me? You as a Muslim man, you can bring your daughter to the bathroom. Et tu veux dire que vous, en tant que musulman, tu peux amener ta fille donc dans la douche. So she can do your back. Why? Pour qu'elle puisse venir te laver le dos. Tu peux le faire quoi? I mean, if he isn't disability, I will say maybe. Si par exemple quelqu'un est handicapé, je peux comprendre, oui. Was Muhammad disabled? No. Est-ce que Muhammad était-il handicapé? And she is not doing his back. She is holding the curtain for him. Et cette femme-là, cette fille, Fatima, elle ne lavait pas le dos de Muhammad. Elle tenait le rideau pour Muhammad. Okay, you know... Now listen. I'm going to make things easier for you. Can you give me one good thing about Muhammad? Ok, je vais rendre les choses faciles pour toi. Est-ce que tu peux me donner une seule chose bonne à propos de Muhammad? I don't want to show you bad things. No. Je ne veux pas te montrer la mauvaise chose. He was a good man. Muhammad, c'était un homme bon, Christian Prince. Muhammad a aidé beaucoup de gens. C'était un homme bon. He helped a lot of people. How he helped a lot of people. Okay, did he help? Oh, okay. Donne-moi une bonne chose que tu sais qui est bonne. Tu dis que Muhammad a aidé beaucoup de gens. Tu veux me dire qu'il a aidé? Did he help his son? Did he help his son, his own son? Est-ce que Muhammad avait-il aidé son fils, son propre fils? Actually, he didn't have any living son. Like this Zaid. Ah oui, bon, Muhammad, lui, n'avait aucun fils qui avait survécu. Muhammad n'avait que Zaid. See, exactly. I told you he cannot have kids. You said to me he had daughters. He cannot have kids. Mais n'est-ce pas que je t'avais dit que Muhammad n'avait pas de fils? Il ne pouvait pas avoir des enfants. Hein? Exactement comme je te l'avais dit. Listen. No, like, this is another question. Okay. There's another question. The question is, did he help his son? Christian Prince, il avait un fils qu'on appelait Ibrahim. He helped his son by taking the wife from the son. La question que je te pose, avait-il aidé son fils en prenant la femme de son fils? He didn't take the wife. The son said, oh, I don't need of... No, read the verse with me. Non, Christian Prince, il n'avait pas pris la femme de son fils. C'est son fils qui avait dit... Muhammad, que je n'ai pas de cette femme, je ne l'aime plus. Here we go. I will show it to you on the screen. Attends, je vais te montrer ça à l'écran. Je vais te montrer le verset. Allah told him,
Muhammad, according to the verse, d'après le verset, Allah lui a dit, Muhammad being a hypocrite. Donc Muhammad était hypocrite, d'après le verset. Man, he came to him after he heard his wife saying, cet homme-là est parti à Muhammad après avoir entendu sa femme lui dire, that your father was here and he flirted with me. Que ton père était ici et il a flirté avec moi. And the hadith he flirted, says, he flirted with her. He flirted with her. Christian, parce que tu dis, il a flirté avec elle. With Zainab. Oui, il a flirté avec elle, Zainab bint Jahsh. Yeah. Hein? So he did not ask to leave her until he heard the news, obviously, that his father is sleeping with his wife. Zaïd n'a jamais demandé de se séparer de sa femme jusqu'à ce qu'il a entendu que son père avait flirté et évidemment le père Muhammad couchait avec sa femme. What do you say? Qu'est-ce que tu dis? If a man, is this the Quran or what? Est-ce ça c'est le Coran oui ou non? C'est quoi ça? This is the Quran in front of you now, chapter 33, verse number 37. Ça c'est le Coran devant toi, chapitre 33, verset 37. And imagine Muhammad, he made a chapter claiming that Allah told him, why you don't tell the man what Allah he told you that you know what is in your heart, you want her. Et Muhammad a fait même un verset là. Il a mis dans le livre là où il dit que et pourquoi est-ce que tu ne dis pas ce qui est dans ton cœur? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas que tu aimes cette femme là? So Allah is in the support of. Yeah, he's in support. Donc, Christian, tu veux dire que Allah est en train de supporter Muhammad? Port of fornication, taking the wife from the husband. Oui, Allah est en train de supporter la fornication, prendre la femme de son mari. Allah, he told you that you know what is in your heart, you want her. So Allah is in the support of. Yeah, he's in support of fornication, taking the wife from the husband, for a man he claimed to be a prophet and the woman already married. Donc, Allah est en train d'encourager la fornication d'un homme qui prétend être prophète. Et cette femme-là est déjà mariée. He has something in his heart for her, and she is what? She is now married. Et Muhammad avait quelque chose dans son cœur pour cette femme-là, mais cette femme-là était déjà mariée. Surah Al-Azab, right? Chapitre Al-Azab. Mm-hmm. L'audience francophone, on a les hadiths, on a le verset. Surah 33, verset 37. Et quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé des bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, es-tu caché? En ton âme, c'est qu'Allah les rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être aidé. Retournons vite à Christian Prince. Because I know that the Allah made lawful for Muhammad to have some women from the cousin. Ah oui, puisque je sais que Allah avait permis, il avait rendu licite et permissible à Muhammad d'avoir les femmes de ses cousines, les femmes de ses mariés, des femmes de filles de ses oncles, ceci et cela. But I don't know if. Okay, hold on. What? Mais je ne sais pas. Attends. Why Allah want to make lawful for him to take the wife of his son? What does that mean? Maintenant, pourquoi tu veux me dire que Allah va rendre permissible qu'il puisse prendre la femme de son fils? Qu'est-ce que ça veut dire? Did he take the wife of his son, or the son said, "Oh, I don't need it anymore"? No. Christian Prince, avait-il pris la femme de son fils, ou bien c'est son fils qui avait dit à Muhammad que je ne veux plus cette femme, je ne l'aime plus? Oh, he took her.
son said, oh, I don't need it anymore. No, he took her. Non, il l'a prise. Yeah. Let me show you the reference. Here we go. Je vais te montrer la référence. Là. You know, I don't say things. Remember, you're talking to Christian Prince. Attends, je ne dis rien sans preuve. Tu dois te souvenir. Tu parles à Christian Prince. This is Tafsir al-Qurtubi. Look at. I don't need it anymore. No, he took her. Yeah. Let me show you the reference. Here we go. You know, I don't say things. Remember, you're talking to Christian Prince. This is Tafsir al-Qurtubi. Ça, c'est le Tafsir al-Qurtubi. Look at the screen. Regarde à l'écran. Volume number 14, page number 190. Volume 14, page 119. And here it says, and I will give you, volume number 14, page number 190. And here it says, and I will give you the link. So et c'est écrit là, je vais même t'envoyer un lien. You can open it from your side. Et tu vas ouvrir de ton côté. You can use Google Translation. Et tu peux utiliser la translation de Google. The beach. Here we go. Yeah. All right. Open it in Google browser. And you will see that Muhammad, he came to the women. When tu peux ouvrir avec Google et tu vas voir que Muhammad est parti à la femme. And the husband, he was not there. Et le mari n'était pas là. And he said to her. Et il a dit à la femme. So he saw Zainab. And I will use English translation in a second. Et il a vu Zainab. Je vais utiliser la translation de l'anglais dans quelques secondes. فأبصر زينب قائمة كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش فهويها. I will use English translation in a second. فأبصر زينب قائمة كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش فهويها. So he saw Zainab standing, and she was white, very white. Et il a vu Zainab qui se tenait là devant, et elle était blanche, très blanche. And she is big, because the Arabs, they like, you know, big size women. Et elle était grande, puisque les Arabes aimaient des femmes qui étaient donc grasses, bonnes. In the world today, we use it fat. Aujourd'hui, on peut appeler ces femmes-là comme des femmes qui sont grasses. She was from the most beautiful women of Quraysh. Et elle était parmi les plus belles femmes de Quraysh. Fahawiha, so he fell on her. Fahawiha, cela veut dire qu'il est tombé. Il est tombé amoureux de cette femme. He fell. He want her. Il est tombé. Il voulait cette femme-là. You have lost. Hawa, I mean lost. Hawa veut dire il a convoité. Il avait de l'envie sur cette femme-là. Waqal. Subhanallah, muqallib al-qulub. Praise be to Allah, the one who flipped my heart for you. Et il a dit, Subhanallah, que Dieu soit loué, c'est lui qui a tourné mon cœur vers toi. Want her, you have lost. Hawa, I mean lost. Waqal, Subhanallah, muqallib al-qulub. Subhanallah, muqallib al-qulub. Praise be to Allah, the one who flipped my heart for you. Et il a dit, que Allah soit loué, subhanallah, celui qui a tourné mon cœur vers toi. So, praise be to Allah. Yes. Tu dis qu'il a dit, que Allah soit loué. وقال, subhanallah, muqallib al-qulub. Praise be to Allah, the one who flipped my heart for you. So, he said, praise be to Allah. Tu veux dire qu'il a dit, que Allah soit loué, subhanallah. Yes. فَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِالتَّسْبِيحَ So Zainab, she heard what he said. Oui, il a dit ça. Et Zainab a entendu ce qu'il a dit. Praising Allah for liking her. Il était en train de louer Allah puisque Muhammad avait envie d'elle. You have lost. Il l'aimait. Il avait de l'envie. So she told her husband, Zaid. Et elle a dit ça à son mari, Zaid. For Fatina Zaid. So Zaid, he got it. Oh. Et Zaid a entendu ça. Il a compris. Oh boy, they are sleeping together. Il a compris. Oh, il a dit, ah, ils couchent ensemble. So he came now. Now he came to Muhammad, says to him, please. Et maintenant, Zaid est venu. Il est parti chez Muhammad. Il a dit à Muhammad, please let me divorce her, father. Il a dit, père, permets-moi que je puisse divorcer de ma femme. She hurt me. She is very arrogant. Elle me blesse. Elle est trop arrogante. She have a very bad tongue. What
Elle parle très mal. What book is this? Is it a Ça, c'est quel livre, Christian Prince? Yeah. Let me use Google Translation. Ça, c'est le livre de Courtobi que je te montre. Let me use Google Translation. I'll give you the link. Je t'ai donné le lien. Ça, c'est l'interprétation d'Al-Courtobi. Page 14, page 199. Interpretation of Al-Courtobi, variant number 14, page number 190. Ah, ça, c'est l'interprétation d'Al-Courtobi, page 14, partie 14, page 190. All right? Correction. Yeah. Okay. Oui. Now we go. And this is Google Translation. Et ça, c'est la translation de Google. So, Zaid never complained. Zaid ne s'était jamais plaint, ne s'était jamais complaint contre sa femme. Zaid never complained about. Ah oui, Christian Prince, on a dit qu'il avait des privilèges qu'on lui avait donnés. His wife ever before. Ah, il n'était jamais plaint contre jamais auparavant. Translation. So, Zaid never complained. Zaid never complained about his wife ever before. Zaid ne s'était jamais plaint contre sa femme, jamais auparavant. But when he heard that the wife and the father, mais quand il a entendu que la femme et le père, son père, they are doing monkey business together, qui faisaient le travail des singes ensemble, he came to Muhammad and he slandered Zainab, saying, et Zaïd est parti maintenant voir Muhammad, son père, et il a calomnié Zainab. Il a dit, she have a bad mouth. Elle me parle très mal. She's arrogant. Elle est arrogante. I don't like her. Please. Je ne l'aime plus. Please, let me divorce her. And what the Elle a dit que je puisse la divorcer. Please, let me divorce her. And what the hypocrite Muhammad did? Et qu'est-ce que Muhammad, l'hypocrite, a dit? A second ago, he was there flirting with the wife, and now he's saying to her, "No, man, keep your wife, keep your wife." Il y a quelques secondes à peine, il était là, il était en train de flirter avec la femme, mais il commence à dire à Zaïd, "Non, laisse, reste avec, retiens ta femme, ne la divorce pas." Do you see it? Est-ce que tu vois ça? This is your books. Ça, ce sont vos livres. This is not a book written by Christian Prince, or even though I wrote many books. Ça, ce n'est pas un livre qui a été écrit par Christian Prince, bien que j'ai écrit beaucoup de livres. But this is not my book, this is your book. Et ça, ce n'est pas mon livre, ça, ce sont vos livres à vous. Those are your scholars, and we can show it to you from Ibn Kathir, I can show it from everywhere. Je vais te montrer ces livres, la même histoire de beaucoup de savants, de beaucoup de livres de Ibn Kathir et d'autres savants. So what do you think about the father? He come to the house of the son. Maintenant, que penses-tu d'un père qui vient à la maison de son fils? And he flirt with the wife when the wife, she is married. Et il vient flirter avec la femme pendant que la femme est encore mariée. In the house of the son. Dans la maison du fils. And you are saying to me, Muhammad is a good man. Et tu me dis que Muhammad est un homme bon. You say he's a very wicked man. Mais moi, je te dis que c'est un homme très méchant. Muhammad is a good man. I say he's a very wicked man. Très méchant. What say you? Don't. Que dis-tu? Disrespect. Let's just have this. Just respect. What say you? Don't disrespect. Let's just have this and the conversation. You know. I don't. Christian Prince, il faut pas manquer du respect. Au prophète, tu peux juste parler, on peut avoir une conversation. Care if you like it or not, my friend, I'm here to say the truth. I'm not here to sugarcoat things. Ah, cela m'importe peu que tu aimes ça ou pas. Je dois dire la vérité telle qu'elle est. Je ne suis pas ici pour édulcorer ou bien maquiller le mensonge. He is a wicked man. You like it, you don't like it, you can hang up. C'est un homme méchant, que tu aimes ça ou pas, tu peux raccrocher si tu veux. You can run away from the truth. I did not say one word is not in front of you on the screen. Tu peux vous fuir la vérité. Je n'ai rien dit sans montrer cela à l'écran. And now you are saying to me, please don't disrespect. What kind of a man? Et maintenant tu me dis de ne pas lui manquer du respect. Et maintenant, quel genre d'homme? He come to the house when the son is not there,
Ça, c'est quel genre d'homme? Il vient à la maison de son fils pendant que son fils n'est pas là. And he flirts with the wife when she is married. Et il flirte avec sa femme, il séduit sa femme pendant que la femme est encore mariée. Is that the ethic you Muslim you claim that religion teaching you? Est-ce la religion de l'islam qui vous enseigne ce genre d'éthique? And not only that, the hadith says that when Muhammad, he after he said that, et non seulement ça, le hadith continue à dire que lorsque Muhammad a dit ça, après qu'il ait dit ça, Zainab, she said, Allah, he made a miracle. Et il dit que Zainab a dit que Allah a fait un miracle. Each time her husband he tried to have sex with her Zaid, Allah, he made his penis swell. Et il a dit que Allah a fait un miracle. Tout le fois que Zaid, son mari, voulait coucher avec elle, Allah faisait que le sexe, le pénis de son mari, le pénis de Zaid, le pénis était en train de se gonfler et ne pouvait pas avoir des relations sexuelles. Ah, which? Okay. Ah, c'est simple, ça c'est quoi ça? Yeah? Show you. Attends, je vais te montrer ça. Are you ready? Et tu peux? Yeah. Okay. Oui. The miracle of Allah. Le miracle de Allah. The husband, he want to have sex with the wife. And Allah, he made the penis of the husband. Donc, le mari veut avoir sexe avec sa femme, mais Allah fait un miracle. Le pénis de ce monsieur, de son mari, est en train de se gonfler. Look at this. Regarde the ça. Same tafsir, but now I will show it to you from the official government website of the Kingdom of Saudi Arabia. Ça, c'est le même tafsir, mais je te montre ça à partir du site internet officiel du gouvernement de l'Arabie Saoudite, de l'Arabie Saoudite. Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Yeah. All right. And now, we will search for the word Tawarrama. On va chercher le mot Tawarrama, which means swell, qui veut dire gonfler. His penis swell. Son pénis était en train de se gonfler. Here we go. Let me see. According to the le mot est là. D'après. So according to the narration, أن زيدا ورم ذلك منه حين أراد أن يقربها. أراد أن يقربها منه حين أراد تورم ذلك منه حين أراد أن يقربها. She say here that Zainab she said. Zainab DC. That Zaid he tried to come to bed to do boom boom to her. Que Zaid voulait venir coucher avec elle. And then Zainab she said, but she could not do it. Et Zainab dit que il ne pouvait pas faire ça. And he could not do it, except that Allah, he did not allow him to do it. Il dit qu'il ne pouvait pas faire ça, et Allah, puisque Allah ne pouvait pas permettre qu'il puisse faire le rapport sexuel avec elle. And then, the narration continues saying, and some of the stories says, la narration continue disant, Zaid, when he tried to have sex with his wife, after the part of his wife, que Zaid a le rapport avec la femme après que le prophète ait flirté avec elle. His penis is swell. And now let us choose. Que le pénis, son pénis est en train de se gonfler. On va Google Translation. La translation de Google. Pendant qu'on fait ça, on va chercher ça en français. So this is the same tafsir Al-Qurtubi. Ça c'est Qurtubi. Huh? This is Al-Qurtubi, yeah. This is Al-Qurtubi. This is official government website of Saudi Arabia. Let me give you the link. Ça c'est le. And you can use Google Translation. Le gouvernement officiel, le site. And you will see how Allah He made the husband penis swell. Oui, so the husband who is lawfully married to this woman, Allah. Donc cette femme ici qui était légalement mariée à ce mari ici, Allah a fait gonfler son pénis. Make his penis swell. Et son pénis est en train de se gonfler. And
the man who is not the husband, Allah, he let his penis go inside her. Et l'homme qui n'était pas le mari de cette femme, Allah a fait que son pénis puisse pénétrer dans le vagin de cette femme. Ça, c'est le site internet, Surat Al-Azab 37, Al-Azab, chapitre 33, verset 37. And he was always called by everybody Zayd ibn Muhammad. So Muhammad, even he stands in the street, he says, from now on, remember, Zayd is from me and I am from Zayd. Et Muhammad faisait qu'on puisse appeler cet enfant-là, on l'appelait Zayd ibn Muhammad, puisque Muhammad avait dit que cet enfant, à partir d'aujourd'hui, il est mon fils. On va l'appeler Zayd ibn Muhammad. Alors, il est rapidement devenu un homme appelé Zayd ibn Muhammad. C'est comme ça qu'on l'appelait, puisque Muhammad l'avait adopté. He is my son. Il dit, c'est mon fils. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Dans certaines narrations, I'm trying to find now the English, the word is swell, where the word is swell. Cherche le mot gonfler en anglais. Là, on a dit gonfler. C'est là. Dans certaines narrations, Zayd, donc, elle dit que... Let's see if we search for the word. On a dit le mot, le pénis de Zayd a gonflé. Et Zainab me fait mal avec sa langue. Elle le fait, je vais divorcer avec elle. Il lui a dit, ton mari... Where it says he tried to have sex with her, but he could not. Il ne pouvait pas avoir sexe avec elle, disant celui que Dieu a béni. According to the way our sheikh explained this situation, he said, oh, it was handed over peacefully and there was no... Who cares? Il dit que, d'après ce que nos sheikhs nous enseignent dans les mosquées, ils nous disent que, bon, Muhammad avait pris cette femme-là paisiblement dans la paix. Il n'avait pas combattu tout ça. Ça, c'est l'histoire de son train de lire. C'est l'histoire là où Muhammad, il dit que lorsque Muhammad était parti voir Zainab, on dit que il a vu Zainab, elle est tombée dans son âme, il est tombé amoureux. Et puis, il dit ceci. Ça, c'est l'histoire que Christian Prince est en train de lire. Lorsque c'était un très long hadith, lorsque Muhammad avait rencontré cette femme-là, qu'on appelait Zayd. Attendez, nous allons vous montrer. Vite. Il dit ceci. Zayd est venu, elle a demandé, Zainab, il a vu, elle était blanche, la femme là, elle était blanche, belle, et l'une des plus, des femmes complètes de Quraysh, elle était très belle. Et Muhammad a dit, gloire à Allah, le retourneur de cœur, subhanallah, celui qui a fait retourner mon cœur. Et Zainab a entendu le tasbih, on a parlé à Zayd. Zayd a compris et Zayd est parti voir Muhammad. Il dit, permettez-moi de divorcer ma femme puisqu'elle parle beaucoup, elle me blesse avec sa langue. Et le messager d'Allah est parti et Allah, Allah a envoyé un vent et le vent a soulevé le rideau et Muhammad a vu Zainab qui s'est lavée, elle était nue. Puisque Allah a envoyé le vent a soulevé le rideau, et Zainab était dans sa maison. Il a vu Zainab, elle était tombée dans son âme, et puisqu'elle était belle, tout ça, et Zayd voulait même la divorcer. On va retourner très vite à la vidéo de Christian Prince. Là, c'était récapitulation pour l'audience francophone. About peacefully, I mean, what peacefully? The guy, he is nobody, he will kill him, Muhammad, because he explained this situation.
On fait une petite récapitulation. But the way, according to the way our sheikh explained the situation, he said, oh, it was handed over peacefully and there was no. Christian Prince, d'après ce que le sheikh nous montre, nous dit dans nos mosquées, ils nous disent que Muhammad avait pris cette femme-là paisiblement. Non, ce n'était pas par violence, tout ça. Who cares about peacefully? I mean, what peacefully? The guy, he is he is nobody. He will kill him. Muhammad, you know. Guy... Qu'est-ce que tu veux dire paisiblement, là, dans la paix? Hein? Qu'est-ce que... Dans le monsieur, là, Zaïd, avait peur de Muhammad. Muhammad pouvait le tuer. Qui pouvait parler pour lui? Okay, hold on. So, if a gang, the biggest gang who have a big army come into your house and he like your wife. Prenons donc une armée. Des gens, des bandits, des terroristes viennent dans ta maison et ces gens-là, ils aiment ta femme-là. Qu'est-ce que tu vas faire? And you are telling me peacefully. Et tu me dis, c'était paisiblement qu'il avait donné sa femme? Because you know what's wondering me? Because as at this time, he had about maybe five wives or six wives. Ah oui, Christian, parce que je sais qu'à cette époque, Muhammad avait peut-être cinq ou six femmes. So, my friend, why are you changing topic? Mon ami, pourquoi est-ce que tu veux changer le thème? You approve a man coming to the house of somebody else, even if he is not a... Hein? Est-ce que tu approuves que quelqu'un puisse venir dans la maison de quelqu'un, hein, et prendre sa femme? No, it doesn't make... Okay, so what we... Non, ça n'a pas de sens. We call this. Hein? Maintenant, tout ça veut dire quoi? Okay, so what we call this? Comment est-ce qu'on peut appeler tout ça? How we describe it? Comment est-ce qu'on peut décrire cette situation? But is there anything like in the Quran that is backing up all these that backs up all these hadiths and? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose dans le Coran qui supporte, qui soutient tous ces hadiths que tu me montres? Why are you trying to avoid my question? Pourquoi est-ce que tu essaies d'éviter mes questions? Because, so what do you know, think, Muhammad? Muhammad flirting with the married women in the house of the husband who is? Qu'est-ce que tu penses donc de Muhammad qui flirte avec la femme, une femme mariée, la femme de son fils? Considered by him, not people saying rumors. He is the one who shouted, "This is my son." Cet homme-là était considéré comme son fils, et c'est Muhammad lui-même qui avait dit que ça c'est mon fils. On l'appelle Zayd ibn Muhammad. What do you think of a man? Maintenant, qu'est-ce que tu penses de qui fait une chose pareille? It's not a good thing. If it's true, it's not a good thing. Ah, c'est une bonne chose. Si c'est vrai, donc ça, ce n'est pas une bonne chose. This is not what good. Ça, ce n'est pas une réponse que tu me donnes. Good thing. Is he a bad person or a good person? Est-ce que cet homme-là est un homme bon ou bien un homme mauvais? No, if it's true, I don't know what to say because I don't want to say something negative. Si cela est vrai, bon, je ne sais pas que dire puisque je ne veux pas dire quelque chose de négatif. What do you mean you cannot say something negative? Est-ce que tu veux dire que tu ne peux pas dire quelque chose de négatif? Just say this is not good. Mais tu as dit que ça, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? You cannot say something negative. You just say this is not good. So what we call that? Maintenant, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Hein? It's true, right, it's not a good thing for a prophet to do. Si cela est vrai, donc ce n'est pas une bonne chose pour un prophète que un prophète peut faire. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Why you don't want to tell me what the real description? Ah, pourquoi tu ne veux pas me donner la vraie description? He's a wicked man. C'est un homme méchant. Is that a behavior, a good man or a wicked man? Et ça, c'est le comportement d'un homme bon ou bien d'un homme méchant? If it's true, that's a wicked person. Si cela est vrai, donc, c'est une personne méchante. It's a wicked person, thank you. C'est une personne méchante. Merci. A wicked person who goes to the husband's house when the wife is alone. Donc, un homme méchant qui part à la maison de son fils, lorsque son mari, le mari de cette femme-là,
n'est pas là. Il part à la maison de voir cette femme-là lorsque son mari n'est pas là. And the reason he is inside the house, why? Because he is the father. Et la raison pour laquelle on l'a même admis dans cette maison où là, puisqu'il est le père. Women, she will not allow a strange man to enter her house when she's alone. No, no. Une femme ne peut jamais permettre à un homme étranger d'entrer dans sa maison pendant que son mari n'est pas là, lorsqu'elle est seule. What's because Allah is putting is interfering in this situation. That's what baffles me, you know. Ah, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que Allah même, il est en train d'interférer dans toute cette situation. Allah est en train d'entrer dans cette histoire. C'est ce qui m'inquiète. It's interfering in. Women, she will not allow a strange man to enter her house when she's alone. No, you know what's because Allah is putting is interfering in this situation. That's what baffles me, you know. Ce qui m'inquiète, c'est la manière dont Allah même est en train d'interférer, d'entrer dans cette histoire ici. So I am a prophet now. I can have sex with women, married women. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, puis si je suis prophète, maintenant je peux avoir les rapports sexuels avec les femmes mariées? I can take a wife from you. So the privilege of all cult leader is the same. Il a maintenant ce privilège. Les gens, les privilèges de tous les leaders des sectes religieux sont les mêmes privilèges. You want your women? Literally, and you only want your women is the same. He wants your women, literally, and your money, and he wants the authority, the power. Tous les leaders des sectes religieux, ils ont quelque chose qu'ils cherchent de commun. Ils cherchent vos femmes, les femmes, littéralement. Ils cherchent l'argent et puis ils cherchent l'autorité. The privilege of all cult leader is the same. He wants your women. Tous les leaders des sectes religieux, ils cherchent vos femmes. Literally. Littéralement. And your money. Littéralement. Et votre argent. And he wants the authority, the power. Et ils cherchent l'autorité, le pouvoir. And Muhammad, he worked for all. Et Muhammad, lui, il cherchait tout ça. Did Muhammad, he made a chapter in the Quran speaking about his sexual privilege only? Is that true? Est-ce que Muhammad avait-il écrit un verset dans le Coran là où il parle de ses privilèges sexuels seulement? Oui ou non? Oui, ouais. Hein? Christian Press, où c'est? Well, sexual privilege. Hein? Tu parles de privilèges? Actually, ouais. I think in the same page we are reading, there is 16 privilege. Je pense sur la même page qu'on est en train de lire, le même tafsir, il y a 16 privilèges de Muhammad. In the same page. Sur la même page. Okay, give it to Muhammad. Privilege? Let me see. Des privilèges donnés à Muhammad. Let me see. 16 privilèges. Muhammad. Christian Prince, montre-moi ces privilèges-là. More than half of them is about sex. Il y a 16 privilèges. Et plus de la moitié de ces privilèges, c'est par rapport au sexe. You do not need to pay. It's in the same page I gave you, Al-Qurtubi, the last one. Christian Prince, montre-moi ça. You do not need to pay. It's in the same page I gave you, Al-Qurtubi, the last one. C'est sur la même page que je t'ai donné. De Al-Qurtubi, le dernier privilège, la dernière partie. Okay. Google Translation. Okay, I... Tu peux utiliser la translation de Google si tu veux. You will see the privilege number 6, number 8, number 7, number. Tu verras les privilèges numéro 6, numéro 7, numéro 8. Ten, number 11. Numéro 10, 11. Because it's later after this conversation, I'm going to check everything. So that's why I want to. Ah oui, Christian, parce que c'est trop tard après cette conversation. Je vais faire mes recherches personnelles. 16 privilèges. Why this prophet? Les 16 privilèges, Christian Prince.
he have special privilege about money and sex. Il a des privilèges qui sont spéciaux à lui. Donc, des privilèges pour concernant les femmes et le sexe. Why this prophet he have special privilege about money and sex? What they have to do? Isn't Muhammad a Muslim or he's above Islam? N'est-ce pas que Muhammad est-ce que Muhammad est-il au-dessus de l'islam ou bien lui aussi est musulman? He's not above this. He's just non, Christian Prince, il n'est pas au-dessus de l'islam. Il est juste un. Above a Muslim, he can have only four wives. No, he is above a Muslim. He can have only four wives. A Muslim, he should not enter a house when the man is not there. Non, il est au-dessus de l'islam, puisqu'un musulman ne peut pas avoir plus de quatre femmes. Une femme ne peut, un musulman ne peut pas entrer dans la maison d'une femme lorsque le mari n'est pas là. A Muslim, he witnesses for marriage. Muhammad. Mais un musulman bien lorsqu'il s'est marié. Mais Muhammad. Muhammad n'a pas besoin pour se marier. Muhammad, he can have sexual intercourse without any witnesses. Muhammad peut avoir les relations sexuelles sans témoin, tout ça. Wives, it doesn't matter. What about Sulaiman alayhi salam? Maintenant, pourquoi tu parles de tout ça? Mais qu'en est-il de Salomon dans la Bible? How many wives does he have? Combien de femmes avait Salomon? On va montrer d'abord ça en français pour l'audience francophone. Pour ne pas rater beaucoup de choses que Christian Francis est en train de nous montrer ici. OK. Maintenant, là, ce sont les privilèges que Christian Prince était en train de parler. C'est dans la sourate Al-Azab, sourate 33, au verset 50. On dit, ô prophète, nous t'avons rendu ici tes épouses que tu as donné leur mari. On continue. Et on dit, c'est là un privilège pour toi. On peut lire tous les chapitres, tous les versets. Au prophète, nous t'avons rendu le site des épouses à qui tu as donné leur mal, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves, qu'Allah t'a destiné les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, tes filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en tant compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don, si elle s'offre, si elle fait don de sa personne au prophète. Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, on dit, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Les autres croyants ne sont pas concernés. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eut point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le tafsir est là. Là où on parle des privilèges de Muhammad, Le tafsir est là. On va montrer la partie là-haut. Là où Christian est en train de parler. Ah oui, là, ce sont les tafsirs. Il y a 16 les privilèges qu'on a donné à Muhammad. Le premier, le deuxième, il y a le troisième, le deuxième est là, et le premier, deuxième, troisième, quatrième privilège, ajoute à quatre femmes. Il peut avoir plus de quatre femmes. Cinquième privilège, il peut se marier avec le mot cadeau. Sixième privilège, il peut se marier sans témoin. Septième privilège, mariage sans témoin, sans amis, sans la famille. Huitième privilège, mariage dans le cas de Hiram. Neuvième privilège de Muhammad. Et puis il y a le dixième privilège de Muhammad. Il dit, si sa vue tombe sur une femme, si Muhammad voit une femme et qu'il aime, on dit, si sa vue tombe sur une femme, son mari doit divorcer. Et il lui est permis de l'épouser. Et Ibn Arabi a dit, c'est ce que l'imam de deux saintes mosquées a dit, et même les érudits, ils ont dit que c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Zayd. Lorsque Muhammad avait vu
façon de Zaïd de Djash, il a aimé. Donc, Zaïd était obligé de divorcer. Village qui sont expliqués dans les livres de. Ça, c'est la sourate 33, verset 50, le tafsir de Courtoubi. De Courtoubi, on évolue avec Christian Prince. Rapidement, retour à Christian Prince. Suleiman, he was my friend, how can he witness his house when the man is not there? A Muslim, he needs witnesses for marriage. Muhammad, he don't need witnesses. Muhammad n'avait pas besoin de témoins. On a récapitulé. Muhammad, he can have sexual intercourse without any witnesses. Muhammad peut avoir les relations sexuelles avec n'importe quelle femme, mais il n'y a pas de témoins. Wives, it doesn't matter. What about Suleiman alayhi salam? Maintenant, pourquoi est-ce que tu condamnes tout ça? Et qu'en est-il maintenant de Salomon? Many wives does he have? Combien de femmes Salomon avait? Suleiman, he was my friend. Salomon, dans la Bible, il avait combien de femmes? Tout ça. My friend Suleiman, he was acting as a wicked man. Salomon, lui, agissait comme un homme méchant. It's not God who told him to go and those women. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller et avoir ces femmes-là. This is your different. Here, Muhammad is claiming that Allah is the one who gave him permission. Il y a une grande différence. Ici, c'est Muhammad qui dit que Allah lui a donné le droit. Il a dit, va prendre ces femmes-là. Suleiman was acting as a pervert king. Salomon lui agissait comme un roi qui était pervers. And the Bible condemned him. Et la Bible l'a même condamné. There's a huge difference between somebody he repent and he asks for forgiveness for all the sin he did. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait du mal et puis il se repent de tous les mal qu'il avait fait. And somebody he's glorified for his sin. This is what the Muslims do. Et quelqu'un qui est glorifié même pour les péchés, c'est ce que font les musulmans. Read with me all the privilege Muhammad he have. Tu peux lire avec moi tous ces privilèges que Muhammad avait. Privilege only for him. He don't even need to pay dowry for women. Ce privilège, c'était propre à lui. Il n'avait même pas besoin de payer la dot pour ses femmes. Every Muslim have to pay dowry. Tous les autres musulmans devraient payer la dot. Muhammad do not need to pay dowry. Sauf Muhammad, il n'a pas besoin de payer la dot. Every Muslim need witnesses. Muhammad do not need witnesses. Chaque musulman avait besoin de témoins. Muhammad, lui, n'avait pas besoin de témoins. Every Muslim, he cannot have more than 4 wives. Muhammad, he can have unlimited numbers of wives. Chaque musulman devrait avoir seulement 4 femmes. Sauf Muhammad, lui, pouvait avoir un nombre illimité de femmes. Every Muslim, he have... It's all about sex, look. Regarde tous ces privilèges ici. C'est juste à propos du sexe. All of those privileges about sex. Tous ces privilèges, c'est à propos du sexe. Privilege after privilege after privilege. Privilège après privilège après privilège. Why God he gave privilege for the penis of Muhammad? Comment est-ce que Dieu a donné des privilèges pour le pénis de Muhammad? And then if you go to the Quran. Et si tu pars même dans le Coran. What you will find? You will. Qu'est-ce que tu vas trouver? Find the same garbage. Tu as trouvé les mêmes ordures. The Quran said. Le Coran dit. It's made lawful for you the following. Who's left? Il dit qu'on lui a permis d'avoir ces femmes. Qui est resté? And any believing woman, she can offer herself to the prophet. Et toute femme croyante qui se fait don de sa personne sera 33-50. As a privilege. C'est un privilège. Toute femme qui peut s'offrir, se donner à Muhammad, un privilège. Why? What this? Offer. Listen, my friend. Your name is what? Attends, mon ami. Ton nom, c'est encore qui? C'est qui? Kazim. Listen. Kazim. What offering women offering themselves to me have to do with religion? Qu'est-ce que un don de la femme? Les femmes doivent s'offrir à moi. Qu'est-ce que une femme peut se faire don de sa personne à moi? Qu'est-ce que cela a? La religion. With God. Qu'est-ce qu'il y a là? Where is that? Avec Dieu. With God. Where is religion? With God.
to me have to do with relating themselves to me have to do when women offering themselves to me have to do with religion, with God. Where is that? Hein? Où est-ce que cela est écrit? In the Quran. C'est écrit dans le Coran. Don't you know? Tu ne sais pas? Let me see. Like I know that they said they can marry from the cousin and from the mother. This. Christian, tu peux me montrer ça? Je sais qu'on a dit que tu veux te marier de tes cousines, de les filles de tes oncles, tout ça. Chapter 33, the same chapter about Zina. Chapitre 33, verset 50. Le même chapitre concernant Zainab. The same chapter about Zainab. Le même chapitre concernant Zainab bint Judash. Verse number 50. Au verset 50. All those women are lawful for Muhammad. Toutes ces femmes ici, elles sont permises à Muhammad. Nobody left. Personne n'est resté. Muhammad is every woman in the world. Muhammad va coucher avec toutes les du monde d'après ce verset. And not only that. Non seulement ça. All those are privileged for you only. Et tout ça, ce sont les privilèges pour Muhammad seulement. Seulement pour Muhammad, ces privilèges ça, qu'on a donné ici. Surat 33:50. Un privilège pour toi seulement. I gotta go to the mosque tomorrow to challenge all this. I have about. Christian Presse, je dois partir à la mosquée demain pour aller défier, poser des questions à mes imams et à mes sheikhs. Better idea. Why you don't call the sheikh right now? Let him join us. J'ai une pensée géniale. Pourquoi ne pas appeler le sheikh maintenant? Tu peux l'appeler, comme ça il va nous rejoindre au téléphone. On va parler avec lui. I go to the mosque tomorrow to challenge all this. I have a better idea. Why you don't call this right now? Let him join us. I cannot call why, him now. Why not? Non, Christian, je ne peux pas l'appeler maintenant. Pourquoi pas? I cannot call him. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas l'appeler maintenant. It'd be better because you see, I want you to hear how your sheikh he cannot answer. Je veux que tu sois témoin, que tu puisses écouter comment est-ce que ton sheikh ne saura pas répondre à nos questions. I want you to choose the best sheikh in town, or maybe all of them they are invited. Je veux que tu puisses choisir le meilleur sheikh de la ville. Là, tous les sheikhs du Nigeria sont appelés, ils sont invités. And you will see they cannot answer. Muhammad is a pervert. Et tu verras qu'ils seront pas, ils seront incapables de répondre, puisque Muhammad est un pervers. You see, all false leaders who claim that sin by God doesn't matter. Even there's a Christian there. There's a Christian priest. Tous les leaders des sectes religieux qui viennent avec des privilèges comme ça, même s'ils sont chrétiens, tous, they are. You know, pervert. They are false Christians used by Satan. Tous les leaders des religieux, des leaders comme ça, des gourous, ce sont des gens pervers. Même s'ils sont chrétiens, tu peux trouver un chrétien aussi pervers. So they sleep with women, claiming that they are men of God, and your prophet is the same. Et ils couchent avec les femmes. Ils prétendent qu'ils sont les hommes de Dieu. Et votre prophète, Muhammad, il est du même nombre. Il fait la même chose. Privilege. Il appelle ça privilège. This is a privilege for him, and now he is making it. But the difference is that if a Christian man, he uses his own, let's say, influence. Il appelle ça privilège. Oui, il réclame que. Et la différence est que si un chrétien lui faisait ça, s'il faisait la même chose to fool some women, he cannot claim that God told him. People will laugh at him. Si un chrétien faisait ça, il ne peut jamais dire que c'est Dieu qui lui a permis de coucher avec les femmes. Les gens se moqueraient de lui. Here your prophet is claiming that God gave him those privileges. Mais ici la différence est que votre prophète lui dit que c'est Dieu qui lui a donné ces privilèges là, only for him. Des privilèges seulement propres à lui. About sex and money. Concernant le sexe et l'argent.
So please, CP, I want to ask one question. Is Aisha... Christian Prince, je vais te poser une question. Pendant qu'il pose la question, on doit montrer ce verset qu'on avait montré en français pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent en français. On avait montré ça. Soit 33. Soit 33. Al-Azab, soit 33-50. Soit 33-50. Au prophète, nous t'avons rendu ici tes épouses, celles que tu as donné leur mari. Il dit que, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, il dit c'est un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. On va retourner très vite à Christian Prince. Christian Prince. Sex and money. God told him, people will laugh at him. Les gens se moqueraient de lui. Here, your prophet is claiming that God gave him those privileges. Mais ici, dans ce verset, c'est votre prophète qui réclame que Dieu lui a donné ses privilèges. Only for him. Seulement à lui, à l'exclusion des croyants. About sex and money. À propos du sexe et de l'argent. So, please, CP, I want to ask one. S'il vous plaît, Christian Prince, je vais te poser une question. Is Aisha aware of, because you know, 75% of the things was narrated by Aisha. Je vais te poser la question. Est-ce que Aisha connaissait toutes ces histoires que Muhammad faisait? Puisque nous savons que 75% des hadiths ont été racontés par Aisha. Was she aware of all this? Was she what? Est-ce que Aisha connaissait toutes ces histoires ici? Qu'est-ce que tu dis? She aware of all these women giving themselves to... Sure. Est-ce que Aisha connaissait... Est-ce qu'elle était au courant de toutes ces femmes ici qui se donnaient, qui s'offraient à Muhammad pour le sexe? Est-ce que Aisha connaissait ça? Sure, you know, even Aisha, she said. Sure. You know, even Aisha, she said. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Aisha avait dit. Like, don't a woman feel ashamed to offer herself? Aisha avait même dit, est-ce que ces femmes n'ont-elles pas honte de s'offrir à Muhammad comme ça? Ah. She said she was jealous. She was jealous. Elle avait dit qu'elle était jalouse. Elle était jalouse. So she said in front of Muhammad. Et elle a dit devant Muhammad. Isn't it a woman? Because women they are coming and offering themselves Muhammad to have sex with them. Elle a dit mais comment est-ce qu'une femme peut faire ça puisque les femmes venaient s'offrir à Muhammad pour avoir les rapports sexuels. Let me find it for you. Here we go. Je vais te montrer l'hadith. L'hadith est là. Aisha, she said. Aisha a dit. I felt jealous of women who offer themselves to Allah Messenger. J'étais jalouse. Je sentais la jalousie. J'étais jalouse de ces femmes-là qui s'offraient elles-mêmes au messager d'Allah. Because now the cult leader, he convinced those women that this is what Allah wants. Puisque ce leader religieux, de secte religieux, Muhammad, a convaincu les femmes que c'est Allah qui lui a permis de faire ça. He convinced those women that this is what Allah wants. Il a convaincu ces femmes-là que c'est ce que Allah voulait. You offer yourself, I sleep with you. And not only that, he said in different hadith. Et il a dit que vous vous offrez à moi et je couche avec vous. Et non seulement ça, il a même dit dans un autre hadith, il a dit that a woman, any woman, Muhammad, he slept with her or marry her, she will enter heaven. Il a dit que toute femme avec laquelle Muhammad couche, ou bien qui est mariée par Muhammad, toute femme ira au ciel. And not only that, he said in different hadith that a woman, any woman,
Il a dit dans un autre hadith que toute femme et Muhammad, he slept with her, qui couche avec Muhammad or marry her, ou qui se marie à Muhammad, she will enter heaven. Elle va entrer au ciel. So now those women, they want to go to heaven. Mais là, toutes ces femmes ici, elles voulaient partir au ciel. And not only that, they will have a free retirement, because the second Muhammad is sleep with you, you will have a free food, free shelter, protection. Et non seulement ça, elles auraient donc, elles vont prendre une belle retraite, puisque une fois que Muhammad couche avec toi, tu auras donc une maison, un toit au-dessus de ta tête, tu auras de l'argent, et tu auras aussi de la nourriture, toute ta vie. So now those women, they want to go to heaven. And not only that, they will... Ces femmes voulaient partir au ciel. Have a free retirement because... Elles auront même... donc, une bonne retraite gratuite. The second Muhammad is sleep with you. Une fois que Muhammad couche avec toi, you have a free food, free shelter, protection. Tu auras donc de la nourriture gratuitement. Tu auras un toit au-dessus de la tête. Au-dessus de ta tête, hein, une maison, et tu auras aussi la protection. Sleep with you. You have a free food, free shelter, protection for lifetime. Pour toute la durée de ta vie. You are the women of Muhammad. Puisque tu es la femme de Muhammad. Do you see it, Aisha? Somebody was typing on the in the. Est-ce que tu vois maintenant? Muhammad, Aïcha qui était jalouse. Okay, on va montrer cet hadith en français pour l'audience francophone. C'est un travail. Nous vous demandons que vous puissiez nous supporter en nous joignant à notre programme. Vous pouvez cliquer like à notre programme. Et vous pouvez aussi nous abonner et puis prendre ce message ici, cette vidéo, d'essayer de partager, de vulgariser ce message que nous sommes en train de donner, que les gens puissent connaître ça et que les gens puissent s'abonner aussi à notre chaîne. Hein? Please like and support our program and subscribe to our program and share this program. Là, c'est le Hadith Sahih Muslim 1464. Aïcha, qu'Allah soit satisfaite d'elle, a rapporté. J'aimais jaloux des femmes qui s'offraient au messager d'Allah et disaient, là c'est la translation, on a traduit ça à partir de l'arabe, hein, la traduction de Google. Les femmes qui s'offraient au messager, alors quand Allah le Très-Haut, le Glorieux, a révélé un verset du Coran. Le verset l'a dit. Vous pouvez différer. C'est la sourate 33-51. La sourate 33, là, il y a beaucoup de choses là. Une minute, on va montrer la sourate là. On va montrer la sourate. Ça, c'est juste pour récapituler ce que Christian Prince nous a donné. Sourate 33. 51. Sourate 33, 51, on dit ceci. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Ça, là, c'est après avoir dit que nous avons rendu le site toutes les femmes. Et puis là, il dit, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, et bien alors, si les femmes viennent nombreuses, tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Maintenant, Aïcha est en train de parler. Jean Prince, un tout petit peu pour rafraîchir la mémoire. So now those women, they want to go to heaven. Maintenant, ces femmes-là voulaient partir au ciel. And not only that, they will have a free retirement because the second Muhammad is sleep with you, you will have a free food, free shelter, protection. Et maintenant, ces femmes-là, non seulement elles auront ça, elles auront aussi une retraite paisible, puisqu'une femme que Muhammad couche avec toi, tu auras donc la nourriture gratuitement, tu auras une maison et puis tu auras la protection. For lifetime, you are the women of Muhammad. Toute ta vie, puisque tu es la femme du prophète.
Do you see it, Aisha? Somebody was typing on the in the chat. Okay. On va voir le hadith. Maintenant, c'est Aisha qui est en train de parler ici. Sorry. Sahih Muslim 1464. Je me sentais jaloux des femmes qui souffraient au messager d'Allah. Ça, c'est la translation de Google. Et disait, alors quand Allah le Très-Haut, le Glorieux, a révélé ce verset, Sourate 33, 51, quand il a révélé ça, vous pouvez différer n'importe lequel d'entre eux que vous voulez et prendre pour vous ce que vous voulez. Si vous désirez, les femmes-là, tout ce que vous avez mis de côté, aucun péché ne vous est imputable. Donc, Aïcha se sentait jalouse. Alors, un verset a été descendu. Mohamed a inventé un verset qui dit qu'il peut faire différer les femmes. Il peut le faire attendre. Tu peux faire attendre celle que tu veux. Sourate 33, 51. Aïcha a reçu ce verset-là. Et je dis, maintenant, Aïcha maintenant commence à parler puisqu'elle n'était pas dingue. Elle était intelligente. Elle a dit, il me semble que votre Seigneur s'empresse de satisfaire vos désirs. C'est Aïcha qui parle à Mohamed. J'ai dit, mais il me semble que Allah, lui, il se précipite pour te satisfaire, satisfaire tes désirs, tes caprices. C'est ce qu'elle a dit ici en arabe. Elle a dit ceci, vous allez voir. Je vois que ton Seigneur, il se précipite vers toi dans tes caprices. Ça, c'est Aïcha qui dit à Mohamed. Comment est-ce qu'Allah se précipite dans tes caprices? Il dit, il me semble que votre Seigneur s'empresse de satisfaire vos désirs. On retourne vite à Christian Prince. Protection for lifetime. You are the women of Muhammad. Puisque tu es la femme de Muhammad. Do you see it, Aisha? Somebody was typing on the chat that Aisha was 6 years old. What 6 years? She was 18, not 6 years old. What 6 years old is this? Yeah. Christian Prince, quelqu'un est en train d'écrire ici dans le texte, le message qui vient. Il dit que Aisha avait 6 ans lorsqu'elle s'était mariée à Muhammad. Quels 6 ans? Aisha avait 18 ans lorsqu'elle s'était mariée à Muhammad. She was 18, but my friend Aisha, she was 18 when Muhammad died. Looked like your prophet, he married her. After he died. Comment est-ce que tu peux dire que Aïcha avait 18 ans lorsqu'elle s'était mariée à Muhammad? Aïcha avait 18 ans lorsque Muhammad mourait, lorsqu'il était mort. Ou bien tu veux me dire que ton prophète s'est marié à Aïcha après sa mort? Oh. Well, you are the one saying to me that the prophet he married Aïcha when she was 18. C'est toi qui me dis que Muhammad s'est marié à Aïcha lorsque Aïcha avait 18 ans. But she was 18 when he died. Mais elle avait 18 ans lorsque Muhammad était mort. She was 17 going 18, not 18. D'ailleurs, elle avait 17 ans allant vers 18 ans, pas 18 ans. So, according to you, your prophet he married Aïcha after he died. Donc d'après toi, ton prophète s'est marié à Aïcha après que ton prophète soit mort. Because you are saying she was 18. Puisque tu dis qu'elle avait 18 ans à son mariage. Isn't it Aisha, so she said? Do you have reference for that? To how can she be 6 years old? How can somebody be? Et Christian, est-ce que tu as des références? Et comment est-ce qu'elle peut avoir 6 ans? Comment? Je marie une fille de 6 ans. Go. This is your reference in front of you. It says exactly how many years she lived with him. Ah, voici la référence est là. Ça montre exactement combien d'années elle avait, même jusqu'à la mort de Muhammad. So he married her at the age of 6. Il s'est marié à elle à l'âge de 6 ans. He had full intercourse before that. He was fondling her. Et il a donc il consomme le mariage. Relation sexuelle, puisque après ça, Muhammad était en train de caresser la femme ou bien de la toucher, de faire des attouchements sexuels avec elle. He had full intercourse before that he was fondling her at the age of 9,
And she did live with him 9. Il a consommé le mariage là de 9 ans et il a vécu avec elle 9 years. So what the total? Did live with him 9 years. Ils ont vécu ensemble 9 ans et le total? So what the total? What? What the total? 6 years he married her. Le total c'est quoi? Il s'est marié à elle lorsqu'elle avait 6 ans. I'm waiting she for lived with him. She lived with him 9 years. Et il a vécu 9 ans avec elle. 6 plus 9. What the 6 plus 9? The number? Prophet married her when she was 6 listen, years. Listen. 6 plus 9. What the number? 6 plus 9. C'est quel chiffre? Ça donne quoi? That's 15. Okay. So c'est 15. So Muhammad when he died, Aisha she was not even 17, she was 15. Donc ça veut dire que lorsque Muhammad était mort, il n'avait même pas 18 ans, il avait 15 ans. What hadith is this one? This is Al-Bukhari. Ça, c'est quel hadith, ça? C'est Sahih Bukhari. It's very authentic. C'est un hadith très authentique. And here it says in the corner, until his death. You see it, i.e., till his death. Et on a écrit là la dernière phrase, jusqu'à sa mort. I believe, because of this is in Sahih Al-Bukhari, this is... okay, so, but this is the... Ah oui, Christian, je te crois, puisque ça, c'est Sahih Bukhari. Pervert, this is a pervert behavior. Oui, ça, c'est un pervers. Ça, c'est le comportement des pervers. This is a pervert. It doesn't sound good to me. Ah, cela ne semble pas bon pour moi. Doesn't so why you don't leave Islam, my friend? Mais pourquoi est-ce que tu ne quittes pas l'Islam, mon ami? I have to make so many research, because I have to go to the mosque tomorrow. Ah, je dois faire des recherches personnelles, d'abord. Demain, j'irai à la mosquée. Okay. What about, I'm not going to ask you now to say you are out of Islam or... Okay, je ne vais pas te poser la question, ou bien de dire que tu as quitté l'Islam maintenant. Mais... Think about it, but I want you in the same time, when you go to the mosque, tell them... Je voudrais que lorsque tu vas partir à la mosquée, tu vas leur dire... That there's a man, he challenged all of you together... Qu'il y a quelqu'un, un homme là, qui vous défie vous tous ensemble... To prove him wrong. De lui prouver qu'il a tort. Tell them what happened. Tell them I could not answer him. Tu dois lui dire que j'étais incapable de lui répondre. Who is of you going to be the lion of Allah? Lequel d'entre vous sera le lion de Allah? To join in a conversation, you can give them my Skype, feel free. Et de venir se joindre à notre conversation. Tu peux leur donner mon Skype, mon adresse de Skype. Invite them all. Et tu vas les inviter, sois libre. And call him. Et appelle-le. What do you think? Right. Qu'est-ce que tu penses? Let me get to the mosque tomorrow because believe me, as I'm talking to you now, my hand is shaking. My hand is shaking. It's very difficult for me to handle this. But I don't know what to say. Permets-moi d'abord d'arriver à la mosquée demain. Lorsque je vais arriver, bon, puisque tu dois me croire, lorsque je te parle, ma main est en train de trembler. Ma main est en train de trembler. Je ne sais pas que dire. Attends que je puisse d'abord arriver demain. Well, for me, what I see, that your hand is shaking because the truth hurt, and you are a good man. You are. Je pense que moi, je sais que ta main est en train de trembler puisque tu es un homme bon. Tu es un homme. Trying to, to defend, but your heart, cannot take it. Donc tu veux, tu as tout fait, tu as essayé de défendre, mais ton cœur ne peut pas supporter tout ça. So, this is what I'm saying to you. You better leave Islam sooner or later because this is a very, very bad cult. C'est pour cela que je te dis que tu dois quitter l'Islam le plus tôt, le plus possible, plus tôt, tôt ou tard, puisque l'Islam c'est un culte, donc une mauvaise religion. Islam sooner or later because this is a very, very bad cult, extremely, extremely bad cult. Que c'est une religion extrêmement mauvaise.
And this is why, you know, you see how much confident I am. I told you, just call right now, you'll shake. What? Tu vois même ma confidence, combien je suis confident moi-même. Je te dis d'appeler ton sheikh en direct maintenant. Right now. Maintenant. Not even tomorrow. We are live. We are live. No matter. Pas même demain. Je suis en direct maintenant. I have to let them know that oh, somebody wants to talk to them. All right. Je dois les informer d'abord que quelqu'un voudrait les appeler, Christian Prince. So let us do this. Next time I go live, you call me and update me what happened. What do you think? Ok, on va faire ceci. La prochaine fois que je vais en direct, tu m'appelles et tu vas me mettre à jour, faire la mise à jour. Mise à jour. Qu'est-ce que tu dis? Yeah, definitely, I'll get back to you. All right. Oui, ok, je vais le faire. And invite, please, anyone he think he can refute me. But I want you to tell me to do something. Et invite tout celui qui pense qu'il peut me réfuter. Je veux que tu puisses faire quelque chose. Don't tell them Christian Prince. Just tell them a Christian guy. Il ne faut pas leur dire que Christian Prince veut le parler, mais dis-leur tout simplement qu'un chrétien veut le parler. I don't want you to lie. Je ne veux pas que tu puisses mentir. You know? But just don't tell them Christian Prince, because the second they knew, they will take a hike. Il ne faut pas leur dire Christian Prince, puisque une fois qu'ils entendent mon nom, ils vont fuir le débat. Just tell them there's a guy, his name is a Christian, or he's a Christian. Il faut leur dire qu'il y a un homme là, c'est chrétien. C'est un chrétien. And he is did not know what to answer. Who wanted to join us in a conversation? Tu dois leur dire qu'il m'a débattu. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Qui veut se joindre à notre conversation? Ouais. After they call, they will find out it's me. And then, et après qu'ils aient appelé, ils vont découvrir que c'est moi. After they call, they will find out it's me. And then it's going to be too late and a very embarrassment if they decide to run away. All right. Et ça sera donc un embarrassement, ça sera trop tard si ils décident de fuir le débat. All right, my friend. Thank you for calling. Thank you so much. Thank you. Okay, mon ami, merci pour avoir appelé. And we pray for you to see the truth and the truth will set you free. Thank you. Okay, merci mon ami. Mon ami. Merci Christian Prince. For you to see the truth and the truth will set you free. Thank you, Kassim. Ok, nous allons prier pour toi. La vérité va t'affranchir. Merci beaucoup. Pray for you to see the truth and the truth will set you free. Thank you, Kassim. Thank you. Merci, Kassim. Kassim. Ok, merci. Thank you. There is no question that very extremely wicked man. Des questions pour démontrer que Muhammad était un homme extrêmement méchant. And those poor people in Africa. I forgot to mention to him what Muhammad he say about black people. Et ces gens là, les pauvres qui sont en Afrique. Oh, j'ai même oublié de lui montrer ce que Muhammad avait dit sur les noirs. Very disgusting. C'est dégoûtant. Very disgusting man. C'était un homme très dégoûtant. As you see, comme vous voyez, Muhammad is an invalid man. Muhammad, c'était un homme invalide. His ethic is below freezing. Son éthique est en dessous de 0 degré, la température pour geler. They try to duct tape him, making him sound like he is a good guy. Ils essayent de colmater les brèches, de le bander avec du papier collant pour montrer que Muhammad c'était un homme bon. Ils essayent de le défendre. He's the best in the world. Ils disent que c'est la meilleure des créatures dans le monde. When you cannot find one thing is not wrong about him. I mean, vous ne pouvez rien prouver qu'il ne soit mauvais, qu'il ne soit méchant à propos de Muhammad. Who in the world you will find that he go after his own son wife? Donc vous allez trouver que c'est un homme qui va chercher même la femme de son propre fils. Un homme méchant comme ça, qui cherche la femme de son propre fils. Go inside the house of a man, he flirt with the woman, she is not there. He go after children, he have sex with the children. Il a le sexe avec les enfants. Il va chercher la femme de quelqu'un qui n'est pas un homme n'est pas dans sa maison. Mais il cherche sa femme. He kidnap women from their houses. He killed the husband. He raped the women. Il enlève même les femmes
de leur mari. Il tue même les maris. Well, his cousin accused him that, you know, Muhammad, he accused his cousin that he raped him. Et Muhammad a accusé son cousin qu'il avait violé. Muhammad, he imagined himself having sex. In fact, he did not. Et Muhammad s'imaginait qu'il avait des relations sexuelles alors qu'il n'avait pas des relations sexuelles. Muhammad was bewitched. Muhammad était ensorcelé dans cet hadith. Muhammad a été ensorcelé. Accused by his own wives, and Allah, he made verses about it. Et Muhammad a même été accusé d'adultère par ses propres femmes. Et Muhammad a même créé des versets à propos de ça. Muhammad, he need help of Allah against Aisha and Hafsa. Et Muhammad, il a besoin de l'aide de Allah à propos de ces femmes-là, les femmes qu'il avait accusées pour avoir les rapports sexuels adultères, Hafsa et Aisha. Sourate 66, verset 4. Si vous vous repentez, Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants et les anges sont par surcroît son soutien. S'il vous répudie, c'est fait que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeunes, déjà mariées ou vierges. Muhammad. Accused by his own wives, and Allah, he made verses about it. Et Allah même fait des versets pour soutenir Muhammad. Muhammad, he need help of Allah against Aisha and Hafsa. Muhammad a besoin de l'aide d'Allah pour combattre Hafsa et Aisha. I mean, name one thing is right about this man. Est-ce que vous pouvez mentionner une seule chose qui est bonne concernant Muhammad? Muhammad trying to tempt men to marry children. Muhammad is Muhammad qui essaie même de tenter un homme pour qu'il puisse se marier à une femme. Aux enfants. Là, c'était Sahih Bukhari 63-83, rapporté par Jabir. Mon père est mort et a laissé derrière lui 7 filles ou 9 filles. J'ai épousé une femme. Le prophète a dit, tu t'es marié au Jabir? J'ai répondu oui. Et Muhammad a dit à cet homme, est-elle vierge ou une matrone? Ou bien c'est une grande femme que tu es mariée? L'homme a répondu, c'est une matrone que je me suis mariée. Muhammad a dit, pourquoi n'as-tu pas épousé une fille vierge pour pouvoir jouer avec elle avec toi, et tu pourrais la faire rire, elle te ferait rire. J'ai dit, mon père est mort, laissant 7 ou 9 filles orphelins, je n'avais pas amené une jeune fille comme elle, alors j'ai épousé une femme qui peut s'occuper d'elle. Qu'Allah vous donne sa bénédiction. Dans un autre hadith, Sunan Ibn Majah 1860, il a été rapporté que Jabir ibn Abdullah dit, j'ai épousé une femme à l'époque où le prophète a dit, tu t'es marié. Et le prophète Muhammad a dit, à une vierge ou à une femme déjà mariée? J'ai dit, à une femme déjà mariée. Il m'a dit, pourquoi pas à une vierge pour que tu puisses jouer avec elle? J'ai dit, j'ai deux sœurs et je ne voulais pas qu'elle crée des problèmes entre elles. Il a dit, c'est mieux alors. Un autre a dit, Sahih Bukhari 40-52, rapporté par Jabir, le prophète, le messager d'Allah m'a dit, as-tu épousé au Jabir? J'ai dit oui. Il m'a demandé, quoi? À une vierge ou une matrone? J'ai répondu, pas une vierge, mais une matrone. Pourquoi n'as-tu pas épousé une jeune fille qui t'aurait caressé? J'ai répondu, au messager d'Allah, mon père a été martyrisé, il est mort comme un martyr le jour de Uhud, et a laissé 9 filles orphelines qui sont mes 9 sœurs. Donc je n'aimais pas avoir une autre jeune fille de leur âge. Je n'aimais pas avoir une jeune fille de leur âge, mais je cherche une femme âgée qui pourrait se peigner les cheveux et s'occuper d'elle. Donc je cherchais une femme mature qui peut s'occuper d'elle. Le prophète a dit, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc,
Donc, ce sont là les hadiths. Muhammad a été ensorcelé. Et on continue pour terminer en beauté avec Christian Prince. Là, c'était juste pour récapituler pour nos amis francophones. Aisha and Hafsa, accused by his own wives. And Muhammad a été accusé par ses propres femmes. And Allah, he made verses about it. Et Allah a même fait des versets à propos de ça. Muhammad, he need help of Allah against Aisha and Hafsa. Muhammad a besoin de l'aide de Allah contre Aisha et Hafsa. I mean, name one thing is right about this man. Est-ce que vous pouvez nommer une chose qui est correcte à propos de cet homme ici, Muhammad? Muhammad trying to tempt men to marry children. Muhammad is. Muhammad, il veut exciter même les hommes à se marier aux enfants, aux petites filles. Asking Jabir, his friend, why you don't go and have sex with a child so she can amuse you? And you. Et Muhammad, il est en train de dire à son ami Jabir, pourquoi est-ce qu'il ne va pas se marier à une petite fille là pour qu'il puisse s'amuser, jouer avec elle? You can suck her tongue and suck her saliva. Pour que cette petite fille là puisse s'amuser, le caresser, qu'il puisse sucer sa tongue, donc sa langue, puis qu'il puisse aussi sucer la salive de cette femme là. What is left? So why in the world? Qu'est-ce qui est resté que Muhammad n'a pas fait? On a déjà montré tout ça. So she can amuse you and you can suck her tongue and suck her saliva. What is